On refait le Mac, le podcast chaque semaine vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com mais aussi sur notre chaîne sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt, sur Vimeo, sur iTunes et sur Clubic. Le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Cette semaine on continue notre rétrospective 2010 sur ce qui a fait l'actualité dans la sphère Apple cette année et on continue par le mois de septembre et la montée sur scène de Steve Jobs à l'occasion du lancement des nouveaux iPods. Comme chaque année, Steve Jobs fait sa rentrée en septembre pour nous dévoiler sa dernière livrée d'iPod. Mais la surprise de cette keynote n'était pas un baladeur, mais Bing, un réseau social, musical, à mi-chemin entre Facebook et MySpace. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas vraiment convaincu. Autre échec, pardon, hobby de Steve, l'Apple TV. Le gourou d'Apple a présenté une nouvelle version, plus compacte et moins chère. Un indice comme quoi Apple lorgne doucement mais sûrement vers le monde des téléviseurs. Mais chut. Et pour revenir donc sur les événements forts qui ont fait l'actualité d'Apple cette année, comme la semaine dernière, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Bonjour Olivier. T'as passé un bon réveillon, ça va ? Formidable, j'ai eu des cadeaux, bien. Huge, amazing, great, magical, bon. And revolutionary, tout ça quoi. Bon, et à ma droite, Monsieur X, un ancien responsable d'Apple qui avance à visage masqué, bonjour Monsieur X. Salut Olivier, moi aussi j'ai eu des cadeaux, mais c'est un ours violet en peluche, je crois que je me suis trompé, j'ai dû ouvrir les cadeaux des enfants. Ils vont être contents. Messieurs, donc on continue dans notre rétro 2010 avec, c'est une tradition en septembre, Apple met à jour ses iPods. iPod. Ce qui a fait un petit peu créer la surprise, c'est l'arrivée de Bing. On disait souvent Apple transforme en or tout ce qui touche. Là, on peut vraiment dire que ça a été un grand succès, messieurs. Disons que c'est pas le truc le plus réussi de l'année. Pourquoi ce besoin de créer un réseau social, monsieur X ? Pourquoi Apple a besoin d'aller sur ce terrain-là aujourd'hui ? Je pense, on en a déjà parlé cette année. Ça tombe bien, c'est une rétro, donc tout le monde a parlé. Ça tombe super bien. Qu'un des moyens, enfin, une des manières qu'on a tous de découvrir des musiques nouvelles, hein, qui ne sont pas forcément nouvelles dans l'absolu, mais nouvelles pour nous, c'est de recevoir une recommandation de la part de nos amis. C'est tout l'esprit des réseaux sociaux. Ça s'applique à la musique, aux photos, aux applications, aux soirées, aux sorties, à ce qu'on veut. Donc, découvrir une nouvelle musique, c'est surtout partager avec ses amis ce qu'ils écoutent. Donc, il fallait mettre cette fonction sociale dans iTunes pour que ça ne soit plus uniquement qu'un magasin d'achat de musique, mais un endroit dans lequel on puisse écouter et découvrir de la musique. Le problème... Il faut attirer du monde dans le magasin, en clair. Ouais, c'est que Bing est centré sur l'achat de musique avant d'être centré sur vraiment ce que fait la qualité des réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, le partage. Donc c'est fait à l'envers. Ça ne veut pas dire que c'est la fin, mais en tous les cas, l'histoire n'est pas bien emmanchée, même si, depuis, Bing a reçu une espèce d'adoubement avec ce partenariat qu'ils ont fait avec Twitter, mais c'est exactement. Toujours pas satisfaisant. Ouais. Concrètement, qu'est-ce qui manque, monsieur Cédric, à Bing aujourd'hui pour qu'il s'impose Surtout que le marché est bien occupé, il y a MySpace du côté de la musique, il y a Facebook et Twitter. Il manque un truc très simple, il manque un service de musique dématérialisé, c'est tout. Et là, tout à coup, Bing va retrouver de son intérêt, parce qu'avec Bing, on pourrait partager sur ses réseaux sociaux le truc qu'on est en train d'écouter, et que vos amis aussi peuvent aller écouter directement en cliquant sur un lien. Bref, on a l'impression que Bing, c'est la solution, une solution en attente d'un problème, c'est-à-dire que ce sera génial quand on aura un iTunes in the cloud. Voilà. D'ici là, ça n'a à peu près aucun intérêt. La brique manquante dont parlait Cédric à l'instant,
qui est donc un service pour pouvoir écouter de la musique en ligne et puis s'échanger des liens sans avoir à repasser de manière systématique par le magasin Apple, elle existe, Apple l'a acheté, et je vous rappelle qu'elle s'appelle Lala.com. Et elle va permettre normalement de transformer iTunes en un unique client ou une unique application sur son Mac, en un service d'écoute streamé. Mais comme on sait qu'Apple a du mal à négocier les droits pour pouvoir intégrer Lala.com simplement dans iTunes, on est effectivement un petit peu en attente. Maintenant, alors, Ping plus iTunes. Petit retour en arrière pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était le sujet du premier Refait le Mac qu'on a fait ensemble il y a un an, messieurs. C'est donc effectivement qu'Apple a racheté Lala, hein, qui était une sorte, en résumé, de Deezer ou de Spotify, hein, aux États-Unis. Rappelons que Spotify n'est pas présent encore aux États-Unis, ni Deezer. Et que ça laisse, ça matérialise que pourrait être le demain une sorte d'iTunes Cloud, c'est bien ça, Monsieur X? Absolument. Donc je pense qu'Apple a toutes les briques. Apple, vraisemblablement pour des questions juridiques, n'arrive pas à mettre en œuvre cette solution. Cédric, tu penses vraiment que l'avenir, c'est vraiment à la musique dématérialisée, au sens qu'on n'a plus besoin de l'embarquer dans son téléphone ou dans son iPod, mais que simplement on le streamera via les réseaux, comme le fait Spotify, Deezer? Si, justement, le truc qui transforme l'essai, c'est ça. C'est le fait que cette musique dématérialisée qu'on avait, auquel on avait un accès juste sur son Mac, son PC, etc., on l'a maintenant directement sur son mobile, même stocké, synchronisé, qui marche offline, etc. À partir du moment où on a testé ça, je pense que je ne saurais pas, you've got mail, je ne saurais pas revenir en arrière aujourd'hui, quoi. Et surtout que Spotify devrait arriver aux États-Unis que dans les semaines qui viennent, là, début janvier, devrait être annoncé au CES. La rumeur de la ville dit que oui, de fait, Spotify pourrait faire une annonce aux États-Unis, parce que c'est attendu depuis très longtemps et c'est une question en fait de deal avec les majors là-bas. Et la rumeur de la ville dit que Spotify pourrait s'annoncer aux États-Unis début janvier. Et que peut-être ils en profiteraient, par exemple, pour lancer leur application iPad, hein, ce qui pour nous aussi, pour le coup, serait une super bonne nouvelle. Ce serait plutôt sympa, effectivement, surtout si c'est couplé AirPlay, qui permettrait d'écouter ça. Huge. Donc en clair, Apple, on sent bien qu'ils testent des choses avec Ping et l'arrivée peut-être d'une fonction cloud de l'iTunes, mais c'est vrai qu'il faudrait, là, cette fois-ci, repartir d'une feuille blanche, tout redévelopper. On sait qu'iTunes, c'est vieux, hein, ça. Ça a plus d'une dizaine d'années maintenant, quasiment, et avec l'arrivée de la prochaine version de macOS 10, il faudra en plus tout redévelopper en 64 bits. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est certainement une avancée majeure de l'année 2011. L'autre événement fort, moi, que j'ai retenu lors de cette présentation de rentrée avec le lancement des nouveaux iPods, c'est bien sûr la nouvelle version de l'Apple TV. On a beaucoup gossé, hein, sur l'Apple TV, le hobby d'Apple. Il semblerait que cette fois-ci, la mayonnaise prenne mieux, messieurs. Ah ouais, clairement. Enfin, ça, 1 million de boîtes vendues, c'est pas le chiffre est tombé, pas huge, hein, c'est pas monstrueux. Mais le problème en plus, c'est un problème de contenu. Je pense que le million d'exemplaires qui a été vendu, il a été vendu immensément, majoritairement aux États-Unis, parce que là-bas, ils ont par exemple les séries télé. Non, pas les fanboys. C'est pas une question de fanboys pour une fois. Mais non, pas du tout. L'histoire, c'est qu'aux États-Unis, ils ont les épisodes des séries à 99 cents. Chez nous, on n'a rien de tout ça. On a pas grand-chose, pour tout dire. Donc, La première chose qui est vraiment, moi, qui m'a vraiment fait plaisir et que j'utilise et qui me voilà, que je trouve vachement intéressante avec l'Apple TV, c'est la fonction AirPlay. Là, ça montre vraiment une vision différente d'Apple par rapport aux autres constructeurs, Cédric. Oui, c'est la création de l'écosystème, quoi. Moi, j'ai essayé AirPlay hier, pour tout vous dire. Enfin, AirPlay pour la vidéo, j'avais déjà essayé pour l'audio et forcément, pas vraiment, ça marche pas. C'est un petit bouton, hein, c'est ça, Cédric. Sur l'iPod, sur l'iPhone ou sur l'iPad, qui permet, vous lancez par exemple une vidéo et vous lui dites, joue-moi ça sur l'Apple TV. Formidable, bien sûr. Ça l'envoie sur l'écran de la télé. tant que toutes les machines sont connectées au même réseau, au même Wi-Fi par exemple, ça marche, pas besoin de les présenter, pas de setup compliqué, ça c'est génial. En revanche, après, si votre vidéo a été codée en 4 tiers pour tenir dans l'écran de l'iPad, par exemple, eh ben, elle va ressortir en 4 tiers sur l'écran de la télé. Je n'ai pas encore trouvé moyen de zoomer dans l'image, par exemple, pour retrouver du 16/9. Mais avec Refait le Mac, ça marche très bien. Oui, parce que tu dois être encodé en HD directement, et etc. etc. Mais bon, soit, je saurai comment encoder mes pleins écrans la prochaine fois pour pouvoir les regarder à la fois sur l'iPad et sur la télé. Mais... bon, c'est pas pour ça. Il y a Monsieur X qui met les mains au ciel, il lève les mains au ciel. Qu'est-ce qui vous arrive ?
Cette année a marqué la première keynote de Cédric. Il en a oublié deux choses essentielles dans la vidéo streamée, le DivX et le MKV. Moi, j'ai regardé le Père Noël est une ordure en MKV hier en le streamant bêtement avec du Wi-Fi sans AirPlay, sans m'être payé une boîte Apple à 150 euros. Ah Et c'est mais... magnifique sur ma télé. Tant qu'il n'y a pas ça, tant qu'ils n'ouvrent pas un peu le Oui. truc, avec le support du DivX et le support du MKV, qui est quand même un standard vidéo magnifique, ça reste une fois de plus une boîte VOD fermée pour Ouais. alimenter l'iTunes Store d'un côté et nous faire consommer, c'est peut-être légitime, Ouais. des médias vendus par Apple. Je Donc suis moi, assez je ne d'accord. vois pas tellement l'avancée dessus. Je Surtout reviens, tiens, qu'en je reste France, sur on a le des coup de box, cœur on de est la bien semaine d'accord. dernière d'Olivier. Ouais, je reste sur ton coup de cœur de la semaine dernière. Allez voir les specs de la nouvelle Freebox. Et puis là, on peut parler d'interopérabilité avec la télé. C'est un hobby pour Apple, l'Apple TV, mais ça ne prend pas le chemin d'être un succès. Moi, je trouve qu'ils ont sur ce sujet-là vraiment, une fois de plus, un temps de retard, quoi. Un temps de retard. Et le coût de l'écosystème. Mais je reviens à ma marotte personnelle. Moi, je vous dis, je l'attends. La télé d'Apple à 3000 euros, je suis en train, j'ai commencé à économiser pour pouvoir me poser les bonnes Oui. questions au bon moment. Et c'est, non, mais regardez-moi dans les yeux, c'est sûr, elle va venir, c'est sûr. Il ne peut pas en être autrement. Maintenant, j'attends plus que Steve se range à mon avis. Comme dirait l'autre, partageons mon avis. Mais non, non, mais le seul moyen d'attaquer sérieusement ce truc-là, c'est de sauter par-dessus les box et de faire une télé. C'est ce qu'a compris Google. Et ils s'aperçoivent que bon, il y a des résistances, mais bon, ça, c'est des choses qui évolueront avec le temps. Et puis avec les usages, parce que les gens verront vraiment ce qu'ils font réellement avec, etc. Mais voilà, Monsieur l'interactivité, elle va X. arriver, elle va se déplacer des box vers la télé, la vraie télé à terme, quoi. Monsieur X, pour Bon, conclure, parce alors, qu'on a fait long, hein, ouais, sur tu sais que le... c'est. Bon, j'y crois pas du tout Comment à la ça? télé Apple à 3 000 $, Quelle erreur, quelle mais erreur. il y a quelque chose On qui va verra. dans le sens de Cédric. Vous avez peut-être vu ça en entrefilet sur Internet cette semaine. La semaine dernière, tu veux Monsieur dire. Niel, le patron de Free, a déclaré sur un site qu'un de ses principaux ingénieurs qui avait développé Ouais. le navigateur pour la nouvelle Freebox a été débauché par Débauché par Apple. Apple. Il a dit Voilà, donc débauché c'est par la une grande personne qui avait dé... société d'électronique grand public bien connue. Oui, enfin c'est Qui Apple. fabrique des Ouais, iPads. Oui, qui en fabrique des l'occurrence iPods. Apple. Ouais, bien sûr. Donc la personne qui sait faire un navigateur Internet pour une télé, elle est partie de chez Free, chez Apple, ça prêche peut-être dans ton sens. Mais si on avance, on va essayer de parler un petit peu gros sous, on va parler un petit peu Bouf. des chiffres records, des chiffres d'affaires records d'Apple. On saute jusqu'au mois d'octobre où là Apple a annoncé des chi un chiffre d'affaires records. Donc mois d'octobre. En ce début du mois d'octobre, Apple annonce un résultat trimestriel record, 20,34 milliards de dollars. Cela représente la vente de près de 4 millions de Mac et autant d'iPad, 14 millions d'iPhone et 9 millions d'iPod en seulement 3 mois. Apple flambe en bourse et devient la deuxième capitalisation boursière au monde, derrière le géant du pétrole Exxon. Le constructeur de Cupertino dort sur un trésor de guerre de plus de 50 milliards de dollars. Mais que va donc en faire Steve Jobs? Alors, où s'arrêtera le succès d'Apple? De mois en mois, ils affichent une santé financière insolente, hein, 20,34 milliards de dollars lors du trimestre au mois d'octobre, ils ont annoncé, près de 2 fois plus que le trimestre précédent. Alors, heureusement, il paraît que l'économie est en crise, messieurs, donc ça laisse rêveur. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet argent? Aujourd'hui, Apple a près de 50 milliards de cash sur son compte en banque, hein, depuis des années, puisque tu le disais, Monsieur X, lors de cette émission, et tu vas la répéter pour ceux qui ne l'ont pas vu, Apple a une spécificité par rapport aux autres entreprises, c'est bien ça, hein. C'est... De ce point de vue-là? Oui. C'est qu'il ne reverse pas d'argent aux Ah, actionnaires. pardon, absolument. Je veux dire, Steve Jobs, quand il a repris la tête d'Apple, a entre guillemets imposé au conseil d'administration, hein, qui dirige les règles financières d'Apple, un certain nombre de choses très très fermement. Notamment cette chose simple qui est de ne pas distribuer aux actionnaires une partie des bénéfices qu'on appelle les dividendes, Dividende, mais de les ouais. réinvestir en totalité dans l'entreprise. Alors pour faire deux choses, financer la stratégie cœur d'Apple qui est l'innovation, c'est une des seules entreprises qui peut dire
On a recherche une stratégie, c'est innovation, recherche et développement. Mais c'est aussi investissement dans les magasins, parce que l'innovation, c'est pas que développer, c'est aussi vendre, hein, il faut s'en souvenir. Et puis, la deuxième chose, c'est que Steve Jobs a toujours dit, je mets cet argent de côté pour être sûr que personne ne puisse me racheter. Donc ça leur permettrait éventuellement de contre-attaquer en cas d'OPA hostile. Ça ne devrait plus arriver, hein, maintenant qu'ils sont la deuxième société au monde. Deuxième et en tous les cas, capitalisation boursière derrière Exxon, messieurs. Ouais. Et puis de faire un truc un peu moins glorieux, qu'on appelle en termes financiers le buyback, ou le rachat arrière, c'est-à-dire que quand vous dégagez beaucoup de bénéfices, si vous voulez reprendre un peu le contrôle de votre société, vous allez aller sur les marchés financiers et vous allez vous-même racheter vos propres actions. Ça vous permet de reprendre un peu le contrôle de votre entreprise en termes de nombre d'actions que vous possédez, et puis des fois, d'artificiellement soutenir le cours de l'action. C'est cette partie soutenir artificiellement le cours de l'action qui est en général pas très glorieuse puisqu'elle est pointée du doigt par les gens qui font de la finance éthique. Donc voilà l'objectif d'appel en termes financiers, ouais. Financer son innovation. Ça existe la finance éthique, monsieur X? Oui, ça existe, absolument. C'est dommage, Rodrigo devait participer à cette émission ce soir, il a décliné, je crois que c'est pour ça, hein, mais passons. concrètement, tu parlais justement de la stratégie de Steve Jobs, à savoir on ne reverse pas aux actionnaires pour pouvoir investir dans notre core business, à savoir la recherche et développement. Il y avait un super papier dans Engadget il y a quelques semaines, la version US de Engadget, qui justement regardait un petit peu les investissements en recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires des principaux boîtes d'électronique ou d'informatique dans le monde. Il y en avait trois, hein, c'était Microsoft, Sony et Apple. Et là, surprise, quand on regarde le ratio recherche et développement et chiffre d'affaires, Apple est loin d'être en tête, bien au contraire. Le premier, le plus gros budget de recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires, c'est Microsoft avec 17% du chiffre d'affaires, suivi par Sony avec 8% du chiffre d'affaires, et Apple est loin derrière avec seulement 4%. Alors, il a menti encore là, Steve Jobs, il n'investit pas dans la recherche et développement, il préfère construire des magasins, monsieur X? Non, je pense pour pouvoir vraiment faire une analyse sérieuse, il faudrait faire deux choses complémentaires. Tu entends que je ne fais pas d'analyse sérieuse, c'est ça? Non, je dis pour finaliser cette analyse sérieuse, pardon Olivier, ouais. Deux choses supplémentaires. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est qu'Apple innove beaucoup, mais Apple achète beaucoup. Vous prenez un logiciel comme iTunes, il a été acheté par Apple. Vous prenez un logiciel comme iMovie, sa première version, ouais, elle a été achetée par Apple. Ça coûte pas une fortune, quoi. C'est pas Google qui rachète YouTube non plus. Non. Mais aujourd'hui, en termes d'innovation, il y a ce qu'on appelle l'innovation faite en interne, et puis l'innovation ouverte où on va aller racheter des technologies. On parlait de Lala, ça fait partie des rachats. Ouais. Donc si vous voulez comparer des pommes avec des pommes, Sony ne fait quasiment que de l'interne, il faudrait comparer le budget d'innovation et les rachats, première chose. Deuxième chose, et c'est peut-être là la vraie différence, Apple est plus efficace que les autres, au sens où Apple choisit mieux ses batailles et fait moins de développement en parallèle, ou à moins de perdition. Beaucoup d'entreprises, peut-être Sony, des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, sont capables d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets en parallèle sur le même sujet. C'est intéressant, ça. Absolument. Ce n'est pas le cas chez Apple. Un sujet, un projet. C'est-à-dire, on rationalise la production. C'est-à-dire, voilà, il y a moins de produits. Le développement. Voilà. Absolument. Alors que chez Microsoft, il y a plein de projets qui meurent avant même d'arriver. Hein. N'est-ce pas, Cédric? Non, ça c'est plutôt bien, mais des projets sur le même sujet. Là, il y a de la perte au feu, comme on dit. En même temps, imagine s'il n'y avait que des Apple, ce serait les rayons des magasins, on se croirait sous l'époque soviétique, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu Henry Ford, tu vois, vous pouvez acheter n'importe quelle voiture tant qu'elle est noire et j'ai un seul modèle. C'est vrai que l'iPhone blanc, il va falloir attendre encore un petit peu. Ouais. Est-ce que vous les voyez racheter des grandes entreprises, racheter des concurrents? Non, la rumeur sur Apple rachèterait Facebook, c'était une sornette, mais intergalactique. On l'a dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'Apple aille s'emmerder à acheter une entreprise qui gagne les bonnes années 2 $ par abonné? Non, mais vraiment, enfin, je veux dire, ça sert à rien, c'est pas assez rentable, monsieur. Mais attention, hein, c'est pas cette montagne d'argent qu'Apple a lui empêche pas de faire parfois de mauvais choix ou de pas faire les bons, ce qui est un peu la même chose. Le truc qui s'est vendu le plus vite cette année, c'est-à-dire l'équipement d'électronique grand public qui a crevé tous les plafonds, c'est pas l'iPad, c'est Kinect, hein, chez Microsoft. Il s'en est vendu, je crois, 1,5 million. Il a 2,5 millions en 2 mois, même pas. Est-ce qu'il gagne de l'argent avec Kinect? Pardon? Est-ce qu'il gagne de l'argent?
On s'en fout, ils vont, Ils de vont, toute façon, ouais, parce que ça d'accord, vend du mais jeu voilà. derrière. Mais Voilà, il va et il falloir faut, vendre du jeu pour non, gagner mais de il faut jamais l'argent. oublier que Kinect, c'est une technologie qui avait été présentée à Apple d'abord. Ah bon? Ah oui, Kinect, c'était le produit, entre autres, d'une start-up israélienne, si mes souvenirs sont bons. Et ils sont allés voir Apple en disant, regardez, huge, amazing, regardez la nouvelle interface qui va redéfinir le monde du futur de demain. Et en fait, le problème, c'est qu'Apple leur a mis tellement de conditions, de NDA, d'accords de confidentialité, juste pour commencer à avoir une discussion sur qu'est-ce que vous nous montrez et pourquoi ça nous intéresserait, que les mecs ont fait demi-tour en disant non, c'est bon, allez, bye. Et ils sont allés chez Ils Microsoft, ont un peu et dégoûté. Microsoft, eux, ils ont signé, ils ont racheté les deux startups et ils en ont fait un vrai produit. Voilà. Des produits, on va en parler dans la dernière partie de cette émission. On va revenir au le dernier lancement important d'Apple. Souvenez-vous, c'était le MacBook Air. Et puis on a aussi parlé de l'iPhone. Back to the Mac. L'ordinateur à la pomme revient sur le devant de la scène en cette fin d'année, après des mois dans l'ombre de l'iPhone et de l'iPad. Steve Jobs monte sur scène pour dévoiler une nouvelle génération de MacBook Air, mais aussi l'Ion, le futur macOS 10. Alors, Apple semble en cette fin d'année revenir au Mac. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les plus vieux fanboys d'entre nous. Apparemment, pour l'instant, Steve Jobs a tenu parole avec une nouvelle génération de MacBook Air. On a entreaperçu une nouvelle version de l'Ion. Et là, je dirais que les historiques ont plutôt crié au loup, Monsieur X, parce que ça, on s'aperçoit que le macOS ressemble de plus en plus à l'iPhone et à l'iPad, à iOS en un mot. C'est clair. Moi, enfin, pour l'instant, la preview qu'on a eue de l'Ion m'a pas beaucoup excité. Et je reste persuadé que la ligne directrice d'Apple pour cette nouvelle version de macOS, c'est une chose, et une chose uniquement, le macOS Store. C'est-à-dire qu'il faut pas être grand clair pour se dire, mais attends, Le Mac il Store. y a le Mac Store, pardon, il y a tant de milliards de dollars de logiciels qui se vendent sur le Mac aujourd'hui, et nous, Apple, ça nous échappe. Donc, on a réussi à faire iTunes, on a réussi à faire l'App Store sur l'iPhone, on va le faire sur le Mac. 100% des logiciels vendus sur le Mac à terme, ça ne sera plus des boîtes, ça va passer par notre App Store et on va prendre 30% des ventes. On a la techno, c'est juste de la marge, c'est juste du bonheur. Et c'est ça l'Ion avec une interface iOS, si Bah, c'est c'est que ça qu'on ça, a vu. On espère que effectivement. d'ici la conférence des développeurs qui aura lieu en juin prochain, on verra d'autres choses. Hein, mais Ouais, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Voilà, moi j'en attends beaucoup plus parce que, bon, macOS, c'est la raison pour laquelle j'ai un Mac, comme iLife, c'est la raison pour laquelle je disais souvent, et je le prends toujours, qu'un Mac est différent d'un PC. iLife n'a pas beaucoup évolué en 2010, j'espère qu'on ne va pas avoir le même phénomène avec macOS. L'Ion aussi, c'est quand même une tentative de simplifier un peu plus l'interface graphique et de faire peut-être aussi migrer hein, l'effet halo. On a beaucoup parlé pendant des années, l'effet halo iPod, iPhone, de faire venir dans le Mac des gens qui aujourd'hui utilisent des iPhones et des iPads. Ça, il y a aussi cette stratégie-là, Monsieur X, pas simplement une stratégie purement mercantile de dire, allez, on va vendre des logiciels. Ouais, moi je n'y crois pas trop, Olivier. Ça c'était vraiment la stratégie il y a 5 ans. Je Ouais. crois que la stratégie de migration principale d'Apple, elle est simple. Ce sont les boutiques Apple, les fameuses Apple Store. C'est plus une Retourne innovation si. pour toi, c'est juste on met en place un réseau commercial. C'est pas Bah l'innovation. écoute, retourne, tu as dû y aller à l'Apple Store du centre commercial Vélizy 2, hein, qui est un des Ouais. plus grands d'Europe. Ça c'est un attrape-client. Voilà, ça c'est un attrape-client, et même les badauds vont s'arrêter pour se faire une démo. Et si la démo est bien faite, et Dieu sait si le staff d'Apple sait pardon, des bonnes démos, c'est comme ça que tu convaincs, que tu vas convertir les gens, beaucoup plus parce que tu vas changer macOS 10 de Snow Leopard en Lion en mettant des fonctions qui te rappellent l'utilisation de ton iPhone. Non, non, moi je crois que le moteur du Switch, c'est l'ouverture des magasins Apple principalement Alors, et pas Lion. je En vais tous les cas, c'est comme ça que je le vous sens. faire hurler, mais quand on voit l'arrivée d'applications, quand on voit l'arrivée de solutions qui sont très proches en termes de design et de manière d'utilisation que l'iPad ou l'iPhone aujourd'hui, on se dit, mais attendez, on sent qu'Apple en garde sur la semelle et qu'un jour on verra arriver un Mac tactile. Mais vous savez que c'est Ah. un truc que j'attends depuis des Non, non, années. moi Alors, je pense que là, parmi les Macs qu'on peut attendre pour le début de l'année, on va vous revoir des iMacs tels qu'on les connaît là, mais probablement plus fins, vous avez raison, il n'y a pas eu véritablement d'innovation majeure en matière de design du côté de avec l'iMac. l'arrivée du SSD, et puis du coup, ce serait simple de faire un 21 pouces, un 28 pouces,
Et puis un 40 pouces qu'on mettrait au salon. Mais bon, chacun sa marotte, comme je disais tout à l'heure. Hein, monsieur, on peut vraiment dire que l'iMac depuis le tournesol n'a pas vraiment été réinventé. Hein. L'iMac d'aujourd'hui, il garde la philosophie du premier iMac Jack 5 qui est apparu il y a plus de 6 ou 7 ans déjà maintenant. Donc peut-être qu'il y aura, on espère, un peu plus d'audace au niveau design du côté des machines de bureau, monsieur X. Bah, design ou fonctionnalité, enfin je veux dire, l'audace au niveau Les deux, design, tu peux en avoir et tu peux en en avoir général. beaucoup, hein. Tu pourras faire un écran rond. Qu'est-ce que ça va nous apporter en termes de fonctionnalité? Moi j'aimais beaucoup le tournesol, souvenez-vous de cette machine qui ressemblait à une lampe de bureau. C'était vraiment presque une œuvre d'art cette machine, elle coûtait une fortune Magnifique, d'ailleurs, magnifique. mais voilà, c'est ça l'esprit Apple, c'est pas simplement un écran avec une carte mère derrière. Bon, voilà, je suis pas sûr Je que ce tiens à soit une souligner fois que de plus. c'était Monsieur X qui m'avait vendu l'iMac G4 tournesol Oui. en me disant, regarde, c'est magnifique. Là, il a retourné sa veste et c'est moi qui l'apporte ce soir, mais Non, c'est pas c'est pas grave. ça, Olivier, mais je pense que Apple en 2002, en janvier 2002, quand Apple a lancé l'iMac G4 boule, Apple était encore dans une position, avec la même stratégie, innovation, mais dans une position de différenciation et de recherche de différenciation qui était le non-conformisme. Ouais. D'accord? En termes de Aujourd'hui, design. Apple, C'était en en termes de 2002. design, pour se démarquer, Wow. Ah c'était oui. janvier 2002. Oh la La vache, c'est dur. vache. Aujourd'hui, Apple est devenue, entre guillemets, une entreprise sérieuse. Elle peut plus se planter. Elle fait 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Si tu te plantes, c'est vraiment pas bon. D'accord? Donc, tu es forcément beaucoup plus conformiste en termes de design et tu fais de l'évolution plus que de la révolution. J'en veux pour témoin les publicités Apple. Tu regardes la publicité Apple qu'avait fait Apple il y a quelques années pour Noël, Christmas! c'était une parodie d'un Père Noël à moitié bourré par Will Ferrell. Et regarde la publicité qu'Apple vient de sortir aujourd'hui pour Noël, c'est Sortez les violons, messieurs! un père, une mère et un enfant qui s'amusent avec FaceTime autour de la personne du Père Noël. Tu viens Et on d'appeler est ça passé de quelque fake chose. time, hein, fais attention. Hein. FaceTime, ouais. Fake On time! passe de quelque chose qui est. Et ouais, qui était décalé à quelque chose qui est ultra conformiste. Et Donc, consensus. espérer avoir un design accrocheur ou vraiment hors des sentiers battus en 2011, personnellement, j'y crois pas. Ouais. Il y aura certainement plus de puissance, Cédric, toi qui fréquentes souvent l'Intel Developer Forum. On va arriver quand même beaucoup de nouvelles générations. On va parler un peu de perspective du Ah, futur là. bon, ça, alors là, On va c'est du arriver. futur. Ça, c'est simple, c'est du futur écrit, au moins, tu vois. Il y a des entreprises avec lesquelles Mais là, en clair, il est c'est agréable de déjà prêt. Hein. C'est travailler. dans les roadmaps d'Intel. Ah, mais Hein. c'est même pas dans les On va roadmaps, arriver des c'est ça nouvelles. y est, ça sort. Sandy Bridge, Sandy nom de Bridge, la une nouvelle nouvelle plateforme d'Intel. plateforme. Allez, on se la fait rapide, schématiquement, Ouais. Sandy Bridge. Alors là aussi, il pourra y avoir des petits Sandy Bridge et des gros Sandy Bridge, mais la vraie grosse nouveauté, c'est l'intégration à l'intérieur là, de la plateforme du processeur graphique Du processeur directement. graphique. Ce qui veut Donc on n'a dire. plus besoin de carte graphique. Donc économie d'énergie. Nvidia dit que si, mais bon, c'est Nvidia, Les mais concurrents de qui fournit fait, Apple en tout aujourd'hui. cas, pour des graphismes, tout sauf le. Haut, voire très haut de gamme, pourra être couvert directement par ce que saura faire le processeur tout seul. Donc, Sachant que et ça c'est mais. dispo là dans les semaines qui viennent Ouais. chez Intel, Cédric. Ouais, bien sûr. Tous les Donc ça devrait les arriver chez constructeurs l'ont Apple vu dans les depuis au semaines moins 6 mois, depuis Ouais. même plus que ça. Moi, j'ai vu les premières démos il y a un temps infini. Donc, ça va arriver. Et je pense que le truc qu'on avait reproché à Apple la dernière fois, c'est qu'il s'est passé quand même pas mal de temps, souviens-toi, entre le moment où étaient sortis les nouveaux Core i5, Core Core i3, etc., i7, ouais. etc., C'est passé presque et leur six arrivée dans les mois. Hein. machines Mac, c'était passé 6 mois, et on disait, What the 6 mois. fuck, quoi? Où Alors sont que les Mac d'habitude, avec. Apple Voilà. recevait presque en exclusivité les Et. processeurs d'Intel. Oui, Il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. ça c'est quand t'es picousé que tu crois ce genre de choses. Mais il y avait que le Ah premier processeur du MacBook Air qu'ils avaient fait ensemble et que Apple avait eu en premier avant que les autres les aient. Et là, je pense qu'Apple va raccrocher les wagons et sortir des machines au moment même où ouais. sortiront les processeurs pour avoir cette espèce d'attrait de la nouveauté et pas avoir l'impression de se raccrocher à un truc 6 mois après en disant « Ah oui, moi aussi, je vais le faire. » Non, c'était pas sérieux. Mais c'est vrai que c'était un moment où Apple était hyper concentré sur l'iPhone, l'iPad, etc. Voilà qui nous promet une année extrêmement riche. Messieurs, on aurait pu encore parler plein de choses. L'arrêt notamment des serveurs. Ça veut dire que certainement aujourd'hui, l'année 2010 a marqué un tournant chez Apple en matière de pro. Je vois que Monsieur X veut dire un petit mot, mais très vite. Oui, ou tu as oublié aussi le lancement d'un produit Apple qui s'appelle Game Center sur iPhone, Ah oui. Ouais. leur autre réseau social de jeux. C'est tellement sympa qu'on n'en parle même pas. Ouais, mais Voilà, attends, des non, mais choses. qui est quand même plus convaincant que Ping. Et d'ailleurs, qui aurait dû s'appeler Pong, tout le monde est d'accord.
D'accord. Et puis on aurait pu parler aussi d'IAD, mais là il est encore un peu trop tôt pour en parler. Et là également, on voit qu'Apple a beaucoup d'ambition. Tu parlais qu'Apple veut faire du fric. Là, il veut en faire énormément et ça va nous permettre de beaux articles et quelques bagarres encore avec Google cette année. Yay. Avant de vous souhaiter à tous une bonne année, on va passer à vos coups de cœur, messieurs. Messieurs, un peu de concentration, messieurs. Messieurs, vos coups de cœur pour cette fin d'année, les derniers coups de cœur dont refait le Mac de l'année 2010. On va commencer par Cédric. Si vous n'avez pas encore vu toutes les vidéos qui traînent sur Internet, si vous n'avez pas encore installé l'appli sur votre iPhone ou iPod Touch, ouais, ça marche aussi. Pas iPad, parce qu'il faut un appareil photo. Worldlens, c'est cette appli de réalité augmentée. Alors, je sais, la réalité augmentée, ça servait à s'orienter dans les villes, à trouver les stations de métro, à avoir des commentaires sur les monuments, etc. Et là, la réalité augmentée sert à traduire ce qui se trouve autour de vous. Vous êtes en voyage, vous pointez un panneau, et ce panneau est en anglais, magique, il vous hein. traduit en espagnol. Bon, c'est très pratique si vous êtes espagnol, mais le problème, c'est que Worldlens, pour l'instant, ne fait que anglais-espagnol. Mais ça va s'arranger, nous promettons. Moi, je rêve. C'est les besoins locaux qui font ça. Non, mais c'est extraordinaire parce qu'il ne vous le fait pas en sous-titres, il vous le fait moi, dans l'image. Je crois l'image. Que c'était un fake au début, hein. J'y croyais ah pas. Ah ouais, non, moi aussi, j'ai cru à une joke et j'ai essayé, et c'est absolument remarquable. Moi, je rêve de la version japonaise pour enfin comprendre les pubs à Tokyo. Et en plus, le truc génial, c'est que ça marche sans accès réseau, ça marche même sans roaming, sans rien. Toute l'intelligence est à l'intérieur, ce qui tombe bien parce que l'ordinaire, c'est à l'étranger qu'on a besoin de ce genre de choses. Monsieur X, ton coup de cœur de ton côté. J'aurais bien aimé faire Worldlens comme Cédric parce que c'est effectivement une application géniale. Alors moi, ça sera un produit plus simple, une ancienne technologie, remis au goût du jour. C'est un clavier. C'est le futur clavier de Logitech qui s'appelle le K750 qui va sortir en janvier pour une petite centaine de dollars aux États-Unis et qui est enfin le premier clavier sans pile aucune, avec tout simplement des panneaux solaires intégrés sur le dessus, panneaux solaires qui sont efficaces même avec une lumière artificielle, un néon ou une ampoule. Et ça va nous permettre enfin, malgré nos claviers sans fil, de se débarrasser d'abord du fait d'avoir à remettre des piles en permanence et puis de polluer un petit peu moins la planète. Qui est une bonne manière pour Steve, s'il cherche des idées, d'investir ses 50 milliards de dollars pour 2011 et 2012. Voilà, donc Logitech, pardon, K750. De mon côté, c'est pas un produit qui est très accessible, mais c'est un produit extrêmement design, comme quoi il n'y a pas que chez Apple qu'on fait ça. C'est la boîte à concept, c'est une boîte française qui fait ça, c'est le LD120, ça ressemble à un petit bureau d'écolier. En fait, non, c'est une enceinte, ça peut accueillir évidemment un MacBook Pro, il y a une entrée USB et ça diffuse un son de toute beauté, c'est vraiment renversant. On l'a testé au magazine iCreate, vous le retrouverez dans le dernier numéro d'iCreate d'ailleurs. Donc je vais vous montrer la couverture, achetez-en, ça fait plaisir, voilà, avec les 100 applications même pour le l'iPad et l'iPhone. Rire. Oui, même le prix vous fera rire. C'est un produit extrêmement bien fini, avec notamment des pieds vernis façon piano de concert, du cuir partout, et il y a vraiment un son de très grande qualité. Alors ça vaut 1000 euros, c'est très cher, mais quand on voit le prix de certains docks, notamment chez Bose ou chez Bowers & Wilkins, c'est finalement pas très cher que ça, et ça, c'est bien, bien plus puissant, et en plus ça fait petit bureau si vous avez un portable. Bon, c'est un peu un objet pour Bobo, mais j'ai trouvé ça sympa. Donc la boîte à concept, c'est à suivre, et je pense qu'il devrait proposer d'autres produits assez intéressants. Merci messieurs d'avoir participé à cet On refait le Mac. Il y a plein d'événements qui vont arriver dès le 6 janvier prochain avec l'arrivée du Mac Store. On essaiera de suivre ça en temps et en heure. On va voir si ça vraiment ça mérite. C'est le diable. C'est le diable. Merci messieurs. Ça fait 3 semaines qu'à la fin de chaque émission, mais finalement on arrive à en faire parce que malgré nos emplois du temps tous chargés, on arrive à être au rendez-vous. Eh bien, on vous souhaite encore une bonne année et un patch et salut comme bonne on dit année. Chez nous. Voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci de votre fidélité. On fait le Mac marche bien, c'était pas forcément prévu. On fait ça pour se faire plaisir, mais vous êtes au rendez-vous. On est aussi surpris que vous. Voilà. Oui, même si c'est du travail, ouais. Croyez-moi. Nous non plus, on ne se l'explique pas. Non, ça ne l'explique pas. Et en tout cas, on essaiera de rendre ça encore plus vivant l'année qui vient et d'être au rendez-vous chaque semaine. On essaiera de tenir promesse. À l'année prochaine, messieurs, et bonne fête. Au revoir. Salut. We'll be right back.